Comment calculer avec les quatre opérations mélangées? Dans cette expression, j'ai une multiplication, une soustraction, une division, une addition et une autre multiplication. Multiplication 7 fois 3, soustraction 3 moins 12. Je ne vais pas pouvoir les calculer de gauche à droite. Je dois respecter les priorités opératoires qui me disent que je calcule d'abord dans les parenthèses. Ici, pas de souci, il n'y en a pas. Ensuite, les multiplications et les divisions. Et en dernier, les additions et soustractions. Donc les multiplications et divisions, j'ai 7 fois 3 comme multiplication, j'ai 11 fois 8 comme autre multiplication, et j'ai 12 divisé par 3 comme division. La soustraction et l'addition, pardon, je les calculerai en dernier. Alors, comment est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je calcule 7 fois 3, 21. Je calcule 12 divisé par 3. Et je calcule 11 fois 8, 88. Ensuite, je vais calculer les additions et soustractions de gauche à droite, puisqu'il n'y a que des additions et soustractions, c'est une règle que nous avons déjà vue. Donc je calcule en premier 21 moins 4, ce qui donne 17. Je calcule ensuite la dernière addition, 17 plus 88. Alors 7 et 8, 15. Je retiens 1, 1 et 1, 2 et 8, 10, ce qui fait 105. Si vous avez un peu de mal, vous la posez, ça prend 10 secondes et vous êtes sûr d'avoir juste. Je n'ai plus qu'à souligner. C'est mieux comme ça.